Il cuore di questo film è nei rapporti umani e il rapporto umano più forte è quello che intercorre tra padre e figlia, tra Juliette e Raphael. Come avete costruito questo rapporto sul set tra di voi? C'est moi j'ai une fille qui a un peu plus âgée que Juliette, qui s'appelle Juliette aussi. Donc le rapport père-fille, on le connaît. Maintenant, il fallait le transposer au cinéma, le transposer à une époque que je connais puisque je m'y suis intéressé sur le fonctionnement de cette société-là. Et pour moi, ça m'a pas posé beaucoup de problèmes puisque une semaine avant le tournage, on a vécu ensemble. Toute l'équipe avec Pietro, les techniciens, mais les comédiens, ceux qui pouvaient. Et on a déjà construit l'esprit de famille ensemble. Quando avete letto per la prima volta la sceneggiatura di Le Vele Scarlatte, avete avuto quella sensazione di trovarvi all'interno di una fiaba popolare sospesa tra realismo documentaristico e un tocco di realismo magico? Moi, l'aspect documentaire, je ne l'ai pas vu dans le scénario. C'est d'ailleurs la grosse différence que je peux apporter entre ma vision du film avant qu'il soit tourné. Parce que je ne connaissais pas encore assez bien les techniques de Pietro pour me projeter là-dedans. Après, pour moi, c'était vraiment ce qui m'a frappé dans le scénario. Pour moi, c'était des héros, ces personnages-là. C'est-à-dire que Raphaël, c'est un héros, Juliette, c'est une héroïne. Et moi, c'est ça qui m'a accroché tout de suite, c'est que ça racontait une grande histoire, comme une histoire, celle que j'aime, dans un passé en plus. Moi, j'aime bien. Et quand j'ai vu le pitch du film, moi je n'ai absolument pas vu un conte. Et c'est pour ça, pour le casting, j'avais fait aussi une tape. Ah Un jour, il faudra qu'on les mette en ligne quelque part. J'avais fait ce casting en me disant, je n'ai aucune chance, car quelqu'un qui rentre de la guerre de 14-18 ne peut pas avoir 59 ans, 58 ans. Mais je le fais quand même pour Pietro, parce que voilà, il y a une envie, j'avais envie qu'il me voie. J'avais lu dans le pitch que ce personnage jouait de l'accordéon, j'ai de la chance d'en jouer. Je dis, allez, je vais lui mettre deux petits morceaux d'accordéon derrière, et je lui envoie ça comme ça. Et sincèrement, j'ai envoyé ça en n'y croyant absolument pas. Et c'est seulement après, quand j'ai rencontré Pietro, il m'a dit, mais là, je me sens fou, on est dans l'univers du conte. Et c'est à partir de là que j'ai lu l'histoire différemment. Juliette, il tuo personaggio omonimo nel film è definita fiera come un lupo, ed è una donna indipendente circondata da altre figure di donne indipendenti. Le Vele Scarlatte è un viaggio anche nell'universo femminile? Oui, c'est un film qui fait c'est une ode aux figures féminines. Après, pour moi, la figure de Raphaël, elle est quand même très forte. Pour moi, c'est un film qui parle d'une transmission entre un père et sa fille. Donc, c'est une question d'héritage plus que juste mettre en valeur les femmes. Mais en tout cas, oui, ce film représente particulièrement bien, je trouve, les femmes qui sont peut-être montrées d'une manière un peu anachronique, mais c'est pas justement c'est pas le propos, donc c'était intéressant de jouer ça.